à libérer la voie pour les autres, pour les voitures, pour qu'ils passent. Maintenant, c'est arrivé ici qu'on a commencé par nous lancer les gaz. Les camarades ont pris les cailloux là-bas, au niveau de l'ambassade des États-Unis. C'est là-bas qu'ils ont commencé par nous lancer les gaz. Et on a demandé à nos camarades de déposer les cailloux qu'ils ont ramassés en même temps. Et on est en train de descendre. Maintenant, on a vu que la route est barrée ici. On les a quand même calmés et on voulait voir ce que vous allez nous dire. Ce que c'est une marche pacifique. Une autorisation avant de commencer par marcher. Si vous marchez sans autorisation, c'est quoi? Nous tenons cette marche pour qu'on libère nos camarades et que les autorités comprennent ce qu'on est en train de réclamer et s'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. Par exemple, le cas d'aujourd'hui, j'espère qu'il y a même la presse qui était là, il a vu tout. On était en train de marcher, on n'a rien fait. Ils ont commencé par nous lancer maintenant les gaz. Maintenant, si on prend les cailloux, ils vont encore arrêter certains d'entre nous, nous frapper encore. Les véhicules sont en train de circuler sur la voie publique et vous voulez occuper cette voie. Par exemple, vous avez le droit, vous avez votre droit, mais les autres aussi ont leur droit, n'est-ce pas? Vous voulez occuper la voie. La marche n'est pas autorisée et vous voulez marcher. Vous voulez qu'on fasse quoi en même temps? Étant donné que, bon, on a organisé cette marche, c'est parce que Bachana, il est en train de mentir qu'il a organisé une agence de violence. Il faut aller voir le président. Quand tu es sorti là, on t'a frappé. Non, mais. Le fait non, de venir, non, là-bas, là. Le fait, quand tu causes avec nous là, on t'a touché. Non, mais là-bas, là-bas. C'est une marche spontanée. Ça devient un attroupement. Quand c'est une marche spontanée, ça devient un attroupement. Oui. Et un attroupement, on peut vous disperser à tout moment. Vous êtes des étudiants, vous êtes des intellectuels. Vous connaissez le droit. La façon dont vous êtes regroupés ici. Si on veut, on va vous disperser parce que ce n'est pas organisé. Il faut une autorisation préalable. Et on va nous requérir de venir vous encadrer. Vous voulez bloquer la voie. Les autres veulent aller au service. On va faire comment ?